Bonjour les enfants. Bonjour la mère. Vous lisez la date? Alors, on continue notre travail. Alors, on a trois groupes de verbes. Les verbes de premier groupe se terminent avec ER, deuxième groupe avec IR, troisième groupe avec RE. Aujourd'hui, on va travailler les verbes de deuxième groupe, c'est-à-dire pour l'infinitif, on a IR, les verbes du deuxième groupe. On a déjà travaillé les verbes de premier groupe. Donnez-moi les terminaisons du verbe de premier groupe. On a Yeah.
sa place. Regardez la deuxième phrase. Les enfants grandissent vite. Où est le sujet? Dimérie. Les enfants. Les enfants. C'est le sujet. À côté de sujet, on a? Le verbe. Où est le verbe, Traoula? Grandissent. Regardez. I, deux S, E, N, T. C'est-à-dire il avec S. Je peux effacer les enfants. Je peux remplacer les enfants par il avec S. Hein? I, deux S, E, N, T. Regardez les terminaisons. L'infinitif de ce verbe, c'est? Grandir. Grandir. Regardez, IR. C'est un verbe de deuxième groupe. Mon frère saisit le ballon. Oui, Bouhouima? Mon frère, c'est le sujet. Où est le verbe? Où est le verbe? Maïda, saisit. Regardez, on a été. Voilà, été, c'est-à-dire il. Mon frère saisit le ballon. Où est l'infinitif? Oui, Aïcha, saisir. Alors, regardez. Finir, grandir, saisir. Tous ces verbes pour l'infinitif, on a IR. Pourquoi? Parce que ce sont des verbes de deuxième groupe. Ce sont des verbes de deuxième groupe. Ça, c'est l'infinitif. Mais ici, le verbe est conjugué. Je finis IS, tu finis IS, il finit IT, nous finissons I, 2S, S, vous finissez I, 2S, EZ, ils finissent I, 2S, ENT. J'écris le radical et j'ajoute les terminaisons. J'écris le radical et j'ajoute les terminaisons. Suivez par vous. Suivez au tableau. Est-ce que vous avez compris, les enfants? Oui. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Donnez-moi un verbe du deuxième groupe qui se termine avec IR. Oui, IR. Donnez-moi un verbe du deuxième groupe. Grandir, on l'a déjà écrit. Il y a beaucoup de verbes. Réussir, oui. Non, partir, ce n'est pas un verbe de deuxième groupe. C'est un verbe de troisième groupe, mais il se termine avec IR. On va voir ça après. Bondir, grandir, réfléchir. Arrête, Kylen. Il y a beaucoup de verbes de deuxième groupe. Alors, il faut apprendre les terminaisons par cœur. Certains verbes en IR ne font pas partie du deuxième groupe, comme ouvrir, partir, dormir, oui. Écrire. Écrire, c'est un verbe de troisième groupe. R-E. Écrire, oui. Partir. Partir, c'est un verbe de troisième groupe. Je viens de le dire. Parce que je dis nous partons, je dis pas nous partissons. Regardez les verbes qui ont pour les terminaisons. I-2-S-O-N-S, I-2-S-E-Z, I-2-S-E-N-T, ce sont des verbes de deuxième groupe. Lorsque je conjugue le verbe à la première personne, du pluriel, c'est-à-dire nous, je dis, par exemple, venir. Venir, c'est un verbe de troisième groupe. Regardez, venir. Venir. Elle se termine avec IR. Je ne dis pas nous venissons, je dis nous venons. Alors, c'est un verbe de troisième groupe. Lorsque je trouve, on a I, 2S, O, N, S, I, 2S, E, Z, I, 2S, E, N, T, c'est un verbe de deuxième groupe. Est-ce que vous avez compris, les enfants? Oui. Alors, on va faire trouver la page 88. On a écrit « Je retiens ». Et on va faire les exercices, le crayon à la main. Oui, prenez-moi. Le crayon à la main, cherche ton livre.